Ibombo rero murazi banyagihugu bo ngaha yaririmaze ibiherita bitari bitori dakora kubera ibihe byahaciye byarapfuye nico gituma ababijejwe baje kutubaza ko ataho dufise bo dusanurira amazi iribombo rero twa dusanzwe turezi ko ari rya kera murabizi ritagikora kandi riri hagati y'abanyagihugu benshi bantaho nikora Nous avons répondu à l'appel de la population qui a bien voulu qu'on réhabilite ce point d'eau potable dans le cadre, premièrement, de les mettre à l'aise et que plus de personnes puissent bénéficier à cette nouvelle eau potable qui va toucher environ 500 familles. Et pour nous, pour Goba Pichin, c'est de continuer à travailler dans ce sens, surtout dans la zone, de faire beaucoup d'autres choses pour impacter et toucher la personne la plus vulnérable. Kangura ugacisha hagati y'amaboko mu ntoki za neza ugenda urabikora kugira hose hashikirwe isabune isanganywe neza murakoze rero kuri aka kanya muduhaye ubandaye mugendereza impanuro tubahaye zijyanye no gukoresha amazi meza jewe nka jewe nakora restora nabura aho njya kuvoma mugabo bagitangura nyina gitangura guseseka yaradufashije cyane aradufasha mu buryo bwo kwikenura byinshi byinshi n'ukuri turabibashimiye n'ukuri murakoze kandi bimwe bivuye ku mutima turangije rero tubashimira tubakengurukira ku gikorwa cyiza mukoze cyiteka giteze imbere igihugu n'abanyagihugu murabona urugwaruka rugera uranywa amazi y'ibiziba inzoka zobamara twese dukomere amashyi rishyira hamwe n'uburongozi bwa zone Et je remercie aussi la population qui a bien voulu être favorable à ce projet pour essayer de les aider. Et aussi, nous avons profité aussi à sensibiliser sur la COVID-19 et le planning familial qui est un élément indispensable pour le développement du Burundi. Et nous remercions aussi tous les administrateurs, les chefs de quartier et aussi le chef de zone qui a bien voulu, par leur présence aujourd'hui, inaugurer ce point d'eau potable. Merci.